Bonsoir. Salut, Paolo. Salut Frédéric, comment tu vas? Bien. Bon. On a vu ce matin, donc, Henri Langlois parler. C'est quand même impressionnant son rapport au cinéma, ce rapport qu'il y avait avec la Cinémathèque, très particulier avec le Oui, cinéma. c'est très particulier parce que Langlois fait partie de ces gens qui ont vu tous les films. Mais il vient aussi d'une génération où c'était encore possible de voir tous les films. Maintenant, de toute façon, ce n'est plus possible de voir tous les films. C'est devenu impossible. Tandis que Langlois, c'est quelqu'un qui avait vu tous les films, et c'est pour ça qu'il a créé la Cinémathèque française. Parce que les gens qui ont créé les cinémathèques dans les années 30, en gros, au Portugal, je ne sais pas l'année, par exemple, de la Au Cinémathèque Portugal, c'est portugaise. beaucoup plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. En France, c'est 1936. La naissance de la Cinémathèque, c'est 1936. Je crois que le MoMA à New York, c'est peut-être 34. Enfin, c'est à peu près pareil. Et ça s'explique très facilement. C'est des gens qui connaissaient absolument par cœur le cinéma muet. Et le cinéma muet, non seulement c'était leur goût, c'était leur passion, mais c'était aussi leur jeunesse et même leur enfance. Donc ils sont mis avec le cinéma Ils pratiquement. sont nés avec le cinéma pratiquement, et ce qui a été terrible, c'est pour ça que ça doit nous donner plein d'espoir pour aujourd'hui, c'est que toute leur jeunesse, toute leur enfance, cette jeunesse du cinéma muet, ils ont vu l'industrie du cinéma la mettre à la poubelle. Parce que tout d'un coup, après 1930, ça ne valait plus rien. Ça ne valait plus rien. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé les cinémathèques. C'est pour garder cette C'est pour mémoire. garder le cinéma muet. Ils se sont dit, si on ne fait rien, il ne restera rien du cinéma muet. Exactement. Peut-être il serait resté Chaplin, parce que Chaplin, déjà, ça rapportait beaucoup d'argent. Et lui, il était très conscient de l'importance des négatifs, des archives, etc. Mais même des films hollywoodiens de Murnau ont été perdus à tout jamais. À tout jamais. Et pourtant, c'était Hollywood, et pourtant, c'était Murnau. En fait, personne n'en sait rien, mais on pense que de la production cinématographique de 1895 à, mettons, 1928-1929, il nous reste peut-être 20%, peut-être un quart. Mais en tout cas, les cinémathèques ont été créées pour ça. Et ce qui est terrible, à chaque fois qu'on montre un film muet à des gens, alors, il faut s'habituer, parce qu'un public d'aujourd'hui n'est plus habitué à voir un film muet, mais c'est un art auquel il ne manque rien, ou alors on dit comme d'un enfant, il ne lui manque que la parole. Mais c'est un art qui est arrivé à pleine maturité esthétique, vraiment. C'est-à-dire que quand on voit l'aurore de Murnau, Au fond, on n'a pas progressé, on est on n'a pas presque. progressé. Quand on voit en ce moment la Cinémathèque française est en train de reconstruire le Napoléon de la Belle Danse. C'est la sixième fois. C'est une histoire aussi vieille que le film. Le film date de 1920. Mais quand on voit Napoléon, on se dit, mais évidemment qu'il n'y a pas de progrès en art. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On voit le petit Napoléon à l'école de guerre à Brienne et on lui fait un cours sur les îles. Alors il dit, la plus belle île, c'est la Corse. C'est la mienne. Et tout à coup, le professeur lui fait un cours sur une toute petite île qui s'appelle Sainte-Hélène. Napoléon a 10 ans. Et donc Gans a imaginé qu'on faisait à Napoléon un cours sur l'île où il va mourir 40 ans plus tard. Et tu vois Napoléon en train de regarder au tableau noir le dessin de Sainte-Hélène. Et ça, c'est en 1927. C'est incroyable. Donc tu vois, c'est incroyable. Et pour toi, par exemple, avoir été critique, il voit beaucoup de films, peut-être maintenant, dans ton rôle de directeur de la Cinémathèque, au fond, c'est un peu ça, tu es quand même à la place où était Henri Langlois. Donc, je veux Oui, quand bien même. sûr. Tu viens si tu veux, aussi d'un parcours où tu voyais beaucoup de films. Et je veux savoir si ça t'apporte quelque chose ou c'est quelque chose Oui, qui ça m'apporte beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'avant, je voyais beaucoup de films qui sortaient, les films nouveaux,
Maintenant, je vois ou je revois beaucoup plus de films anciens. Là où ça ressemble un peu, c'est que quand on a été critique ou qu'on a essayé de vendre un journal, comme moi, on essaye quand même toujours de montrer des films pour que des gens les regardent. Voilà. Parce qu'on peut très bien faire une cinémathèque pour soi, ou pour l'art, ou pour personne. On a le droit. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je préfère que la salle soit à peu près pleine. Donc, voilà. Il y a tout un travail avec les spectateurs. Oui. Pour moi, la fréquentation, la réception des films, c'est très important. Et d'ailleurs, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Parce que il y a une chose que je déteste, la seule chose que je déteste vraiment, c'est l'intimidation culturelle. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. On a le droit d'avoir un goût très radical, on a le droit d'avoir un goût très intellectuel, très affirmé. Honnêtement, pour le cinéma, c'est mon cas, parce que j'ai vu des dizaines de milliers de films. Donc forcément, le goût s'affine. Mais il ne faut pas transformer son goût en intimidation culturelle. Ça, c'est insupportable. Et par exemple, pour te donner un exemple, comme toi, à Lisbonne, je prends, on a montré tous les films de Buñuel. Et bien, le problème, c'est qu'on ne fait pas assez de flèches. C'est-à-dire qu'on montre, mettons, 40 films de Buñuel, on ne dit pas assez aux gens, si vous devez en voir 5, allez voir ces 5-là. Voilà. On leur donne le paquet et ils se débrouillent. Et ça, on n'a pas tout à fait raison, je pense. Non, et moi, c'est vrai que les spectateurs aujourd'hui ont besoin, surtout en rapport à l'histoire du cinéma, de quelques pistes. Tu vois. Moi, bien je pense sûr. Qu'il y a quelque chose qui manque, c'est qu'avant, il y avait 3 ou 4 tu vois, grands critiques qui, d'une certaine façon, sans faire d'intimidation, mais donner des pistes que des gens, tu vois, les trouver crédibles. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un dans la critique qu'on puisse on dire, faire confiance absolument au même temps. Même quand après, on allait les voir les films et on se disait, finalement... ce qu'il a écrit, c'est mieux que le film lui-même, tu vois, ce qui arrivait très souvent, tu sais, dans les grands critiques. Mais il y avait des gens et d'espace qui n'ont plus, qui permettaient d'avoir un peu de ces indications. Et maintenant, on est un peu sans ça. Tu vois, je ne sais pas comment. Moi, je sens ça dans ma promotion que je fais dans le salon ici. Je pense que toi, dans la cinémathèque, tu devrais le sentir encore plus. Évidemment, quand tu montres Buñuel, c'est Buñuel, les gens en parlent. Mais même Buñuel, il n'y a pas une critique qui a le courage de dire « C'est moi, pour mon goût, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Ils n'ont pas cette... Alors, par exemple, Mathieu Machelet, en France, à Paris, dans Le Monde, lui, il est clair, il n'aime pas beaucoup le premier Buñuel surréaliste. Ouais. Tu vois, il préfère le Buñuel... mexicain à partir de Los Olvidados. Ce que je peux comprendre. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le Buñuel français et surréaliste. Mais le Buñuel que je préfère, mais alors ça, c'est parce que je connais très bien, parce que j'ai vu tous les films, c'est le Buñuel espagnol. C'est-à-dire Meridiana et Tristan. Et cet obscur objet du désir qui, au fond, est quand même un film espagnol. Ouais. Mais par exemple, Tristana, je trouve que c'est un film vraiment bouleversant. Ouais. Voilà, vraiment bouleversant. Tu sais que pour les questions de droit, c'est ce que je n'ai pas pu montrer ici. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas. La question de... Bien sûr, les droits ne sont pas réglés. Mais tu as raison, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que... Mais ce que tu décris aussi, c'est parce que les journaux sont moins forts. Évidemment. Il y a eu une époque où les journaux étaient très forts. Ils répètent. Voilà. Donc, si tu veux, la façon de communiquer maintenant, c'est une autre. Donc, il y a une telle information qui vient de partout... que pour les gens se repèrent et puissent dire bon, peut-être ça vaut la peine de voir ça, de découvrir ça, de faire ça. C'est quelque chose qu'on avait nous à l'époque. On avait cette tendance à essayer de découvrir aussi. Maintenant, c'est plus, moi je pense que je suis beaucoup plus perdu maintenant avec tous les films nouveaux qui arrivent. Comment me repérer? Évidemment qu'il y a les festivals, mais déjà, les festivals, on sent que c'est des goûts particuliers, que c'est des choses, etc. Et que peut-être il y a des choses qui sont en train d'échapper. Et quelques-uns peut-être échappent par eux pour toujours. Parce que je pense que la différence, c'est qu'avant, comme il y avait beaucoup moins de production, beaucoup moins de films,
même si le film passait inaperçu, après, il était rattrapé par le temps. Et là, je pense que c'est plus difficile. Oui, bien sûr, il y avait un poids symbolique des journaux. Ouais. C'est-à-dire que si plusieurs journaux qui étaient considérés comme influents défendaient un film, même si le film ne faisait pas beaucoup d'entrées, c'était pas très grave. C'était pas très grave. Voilà. Moi, je pense que la règle des jeux, je ne sais pas, c'est un peu le cas d'un film qui, à l'époque, quand il est sorti... La règle du jeu, ça s'est très mal passé. Ouais. Ça s'est vraiment très mal passé. Mais Renoir a aussi fait La Grande Illusion où ça s'est très bien très passé. Bien passé. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est difficile avec le cinéma, c'est presque inacceptable de ne pas avoir de succès tout le temps. Ouais. Ça, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Moi, il y a des cinéastes que j'admire énormément qui n'ont jamais eu de succès. J'admire Jean-Marie Straume. Bon. Oui, ses films ça, n'ont jamais été vus par des centaines de oui, milliers. Oui, mais c'est curieux, c'est que Straume, c'est un nom que tout le monde connaît. Bien sûr. Enfin, tout le monde. Tout le monde, ça veut dire. Voilà, une génération. C'est drôle parce que quand les gens disent à Godard, maintenant encore, ils le disent. Enfin, à part que maintenant, les gens s'en foutent complètement de Godard. Mais disons que dans les années 90, par exemple, où ils ne comprenaient rien à ces films, ils disaient à Godard, mais pourquoi vous ne continuez pas à faire Pierrot le Fou? Ouais. Et Godard avait fini par répondre, mais quand je faisais Pierrot le Fou, vous n'y alliez pas. Ouais, absolument. Voilà. Personne n'avait. Et Pierrot le Fou, ça faisait 200 000 entrées. Ouais. C'est considéré comme le grand succès de Godard. Oui. Mais c'est pas vrai, c'est 200 000 entrées en France. À l'époque où... Il faisait 10 fois plus d'entrées. Voilà. Mais tu vois, c'est un peu comme la musique, par exemple, Velvet Underground. Les disques se sont très peu vendus, mais je crois que c'est Lou Reed qui disait ça. Il disait nos disques se sont très peu vendus, mais chaque personne qui a écouté notre disque, il a fondé un groupe de rock. Ouais. Et bien, peut-être pas chaque personne, mais une personne sur 10 qui a vu Pierrot le Fou, il a eu envie de faire du cinéma. Oui, honnêtement. Voilà. Ça aussi, c'est l'importance des films. Pour vivre autrement, il y a... Exactement. Cinéma, c'est aussi ça. Exactement. On est touché de plusieurs façons. Parfois, ça y a des gens et ça change la vie. C'est ça. Donc, c'est des films qui ouvrent des horizons. Des horizons. Et non, mais... Et toi, à la Cinémathèque, tu continues à avoir beaucoup de films maintenant, la Cinémathèque, j'ai tendance à me servir de la Cinémathèque comme d'un écran géant pour revoir des films. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'essaye de passer beaucoup de temps dans les cabines et dans les salles. Ouais. Voilà. Mais c'est difficile. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'est difficile de me dire « Bon, j'ai fait mon travail, je rentre chez moi ». Et je ne reste pas à la projection du soir. En fait, j'ai envie de rester. Et parler de cinéma, tu as encore cette volonté de continuer à parler avec des gens de cinéma? Oui. J'ai encore la volonté de parler de cinéma. Je n'ai pas forcément l'envie de parler avec des gens de cinéma. Ce n'est pas la même chose pour moi. Mais il y a quelque chose que je vais faire, je vais prendre un petit risque personnel, c'est qu'on avait un grand ami commun qui est mort, mais il a eu une belle et longue vie, c'est Jean Doucher. Et Jean Doucher, pendant des années, a fait le ciné-club de la Cinémathèque française. Ça a duré 50 ans, cette affaire. Et donc, je vais le faire. Voilà, je me suis dit, je ne serai jamais aussi génial que Doucher, comme je ne serai jamais aussi génial que Langlois. Mais ce n'est pas ça le problème. Prenons le risque. Non, mais ça, c'est important. Voilà, prenons le risque. Tu vois, moi, j'ai eu la chance d'avoir Doucher au festival il y a, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, ici, dans cet hôtel. Et l'entendre parler de cinéma, c'est quand même quelque chose. Même si c'est pas parfois, tu vois, les cinéastes ont aimé, peut-être pas, on n'admirait pas autant les mêmes cinéastes, tu vois, des choses comme ça. Bien mais sûr. Entendre parler, c'est ça, c'est le plaisir que j'ai eu d'entendre parler de l'angoisse du cinéma. Même, comme tu disais ce matin, parfois, c'était pas vraiment... Il n'a pas toujours raison. Il n'avait pas... Non, bien sûr. Parfois, si tu veux, c'était presque provocateur, ou des choses comme ça, mais moi, je pense que... Je pense que c'est important qu'il y ait encore des gens qui ont... Il faut vérifier si les films sont toujours les contemporains de quelqu'un. Ouais.
C'est-à-dire que moi, je sais à peu près ce que je pense de À bout de souffle, et même je peux dire à quoi me sert À bout de souffle, même dans la vie. Bon. Mais je suis curieux d'entendre des gens qui vont peut-être pas voir À bout de souffle pour la première fois, mais qui vont en entendre parler et en discuter eux-mêmes pour la première fois. Quel effet ça vous fait? Parce que, évidemment, À bout de souffle est génial, c'était très nouveau pour l'époque, mais c'est un film qui a 60 ans. Donc, il a été digéré. Oui, le cinéma a digéré À bout de souffle, complètement digéré. Ouais. Alors, est-ce que ça reste? Est-ce qu'il y a quelque chose encore? Est-ce qu'il y a encore un aspect d'audace, de fraîcheur, d'innovation? Est-ce que quand Belmondo dit à Gene Seberg, est-ce que je peux pisser dans ton lavabo? Est-ce que ça peut encore choquer quelqu'un comme ça a choqué à l'époque, les gens trouvaient ça scandaleux? Voilà, je suis très curieux d'avoir une discussion avec des spectateurs. Parce que finalement, les films sont nos contemporains tant qu'on les regarde. Quand on regarde un film, ça veut dire qu'il est notre contemporain. S'il n'est pas notre contemporain, on se lève, on s'en va. Voilà. Voilà. Donc, je veux, par exemple, j'ai décidé de commencer au milieu. Tu vois, de commencer en 1960. C'est-à-dire vraiment au milieu. C'est le milieu de l'histoire du cinéma. Et c'est la première génération, la génération de Doucher, de Godard, qui sont des gens qui sont conscients que derrière eux, il y a 60 ans de cinéma, et qui en plus le connaissent. Et qui en plus le connaissent. Donc, ils savent qui sont leurs pères, qui sont leurs grands frères, qui sont leurs oncles. C'est des gens qui connaissent leur propre généalogie quand ils se mettent à faire du cinéma. Donc, je vais commencer par montrer des films de la nouvelle vague, et on va voir. Oui, moi, j'ai fait une expérience assez curieuse, c'est que moi, je connaissais mal ce qu'on appelle le free cinéma, on ne l'appelle pas d'anglaise. Parce que, comme tu sais, à l'époque, elle était complètement un peu méprisée par une certaine critique française. Oui, oui, bien sûr. Celle qui avait été liée était défendue un peu par le positif, etc. Et j'ai montré quelques films. C'était assez surprenant. C'est évidemment, ça m'a confirmé un peu, si vous voulez, qu'on était plus proche et que je suis encore plus proche de ce que tu veux, de ce qui a été fait dans les années 60 en France, mais je me disais, il y a quand même des films très curieux ici, dans ce que je montre. Tu vois, quand tu vois des films de Lin-Sayan, de Sonia, il y a toujours un petit quelque chose qui est intéressant, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus classiques formellement, il n'y a pas de risque formel, il y a plutôt le risque plutôt de ce qu'ils racontent. Et en même temps, finalement, si on se résume, le seul qui est vraiment très audacieux dès son premier film dans la nouvelle vague française, c'est Godard. Oui. J'aime beaucoup Les 400 coups, j'aime beaucoup le film du Lion de Romère, mais il y a moins d'audace. Et surtout, tu sens, tu vas chez Truffaut, tu sens comment il veut venir au spectateur. Au fond, il veut se substituer au l'ancien cinéma français, en disant de nouvelles choses, okay, mais quand même, sans avoir une rupture. Et chez Godard, il y a une rupture. Bien sûr. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que l'ancien cinéma français dont tu parles, c'est-à-dire celui des années 50, alors il y avait des très grands cinéastes. Jacques Becker, Becker est un cinéaste immense. Jean-Pierre Melville aussi, Ophuls aussi. Enfin, il y a des très grands cinéastes. Et il y a des films de Duvivier ou de Clément qui sont très bons. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que maintenant, on dit plutôt, regardez le cinéma français des années 40 et 50, ça c'était un cinéma sérieux. Alors moi qui ne suis pas sectaire, j'ai fait à la Cinémathèque une exposition sur Louis de Funès, qui a fait le figurant dans tout ce cinéma des années 50. Il ouvrait les portes, ensuite il disait un mot, ensuite il disait une phrase, et petit à petit il est monté. Donc j'ai vu les films, ils sont nuls. Voilà la vérité. Il continue à être nul parce qu'on ne connaît rien de cette production courante faite par des gens dont on ne connaît même pas les noms. Même pas les noms, mais des films. Voilà, des films à part Vécalé ou Tavernier, on les connaît. Mais c'est très bien, ce sont des érudits. Mais les films avec Fernandel et Louis de Funès, Fernandel et Bourville, mais c'est vraiment très mauvais. Quand tu vois les films de De Funès avec Gérard Oury, c'est bien meilleur. Mais bien meilleur. Et Truffaut était d'accord. Il trouvait que Le Corneau, c'était intéressant. Mais les films des années 50,
Non, il c'est difficile. Quand tu vas Fernandez, Pagnol, ça n'a rien à voir avec. Bien sûr. Bien sûr. Mais le grand Fernandez chez Pagnol, c'est avant la guerre. Oui. Pas après. Non, je sais. C'est avant la guerre. Mais voilà, l'histoire. Et en même temps, l'histoire du cinéma est vivante tant qu'on la discute. Oui. Par exemple, Tavernier, il me dit tu devrais t'intéresser à Kayat. Oh là là. Alors, je regarde un ou deux films et je lui dis bah, écoute, je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne trouve pas ça très bon. Je ne trouve pas ça très intéressant. Il disait tu es même sympathique. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Non. Voilà. Godard, c'est plus intéressant que ça. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder que Godard. Non. Mais justement, l'histoire de l'art comme l'histoire du cinéma, c'est toujours la comparaison. Oui. Il faut comparer, et surtout des gens qui font les mêmes films, à peu près dans les mêmes conditions, au même moment. Oui, bah, même chose. Tu vois, Jacques Perret maintenant, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Il y a des films qui n'ont aucun intérêt. En revanche, je crois que c'est Peter Bogdanovich qui disait ça à propos de Citizen Kane, de Orson Welles. Il disait quand même, à un moment, il y a un type, il a fait un film à Hollywood, en plein cœur du système, et il a dit, tout ce qu'on vous raconte sur la vie, l'amour, le couple, la famille, l'ambition, l'argent, le capitalisme, tout ça, c'est des blagues. Lui, il est le premier à dire la vérité sur tout ça. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça sert aussi à ça, le cinéma. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit « Voilà, c'est pas ce qu'on vous a raconté dans les mélodrames de Frank Borzage, même si j'aime beaucoup les mélodrames. » Mais ce n'est pas vrai. La vie ne ressemble pas à Autant en emportement. La vie ressemble plus à Citizen Kane. Mais c'est pour ça que Godard disait tout, on doit tout à Orson Welles. Oui, bien sûr. Mais Godard, il est vraiment très influencé. Il y a quelqu'un qui m'a énormément surpris dans sa modernité dernièrement, et que même en rapport aux autres Italiens, il y a un partant de ce qu'on a écouté chez Langlois, c'est quand même Rossellini. C'est quand même quelqu'un qui va. Moi, j'ai montré quelque chose ici, si tu veux, il y a une modernité qui va aller. Tu comprends d'une certaine façon la phrase qu'il y a dans la prime de la révolution et on ne peut pas vivre sans Rossellini, enfin, dans cette dalle dite. Mais c'est vrai qu'après, il y a des cinéastes en renvoyant, tu vois, moi je suis un peu déçu avec Fellini, comme toujours, voilà, même puisqu'on dit quelques-uns. Mais on réévalue toujours. Moi j'aime beaucoup Rossellini, mais le côté déiste chez Rossellini m'a toujours gêné. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que j'aime les films de Rossellini et je comprends pourquoi il y a le miracle à la fin, comme je comprends pourquoi il y a le miracle à la fin dans les films de Romère, ouais. Mais ce n'est pas ce que je préfère. Ouais. Est-ce que je ne préfère pas, à la fin du voleur de bicyclette, avec le petit garçon ouais. qui prend la main de son père, et ça se passe sans Dieu ouais. Ça, oui, c'est une discussion. Il y a des films où il n'y a pas de Rossellini... Le miracle n'est pas là. Oui, bien sûr. Bien pas, sûr. Okay. Mais il est là, il est, voilà, il est là dans Voyage en Italie, il est là dans Stromboli, enfin voilà. Wells préférait De Sica à Rossellini. Mais on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre pourquoi. Mais c'est ça qui est incroyable dans le cinéma, comme dans l'emporté de art, tu vois, mais le cinéma, c'est quelque chose qui... Pour nous, c'est peut-être plus contemporain, et c'est surtout, il y a une histoire plus courte. C'est plus facile de parler de ça, bien sûr. Du cinéma, que parler, par exemple, de la littérature, bien sûr. Mer, on parlait de la peinture, on parlait de quoi que ce soit. Tu as tellement raison. C'est-à-dire que c'est quand même pour ça que moi, j'ai préféré le cinéma, parce que justement, il n'y a pas d'intimidation. Ouais. C'est-à-dire que le cinéma, c'est quelque chose qui se donne. Un livre, il faut quand même aller le choisir, l'ouvrir, etc. Le cinéma se donne littéralement. C'est-à-dire que le cinéma n'exige rien. Il s'offre. Vraiment, il y a une générosité du cinéma que n'ont pas forcément les autres arts. Il y a un truc agaçant là-dedans, c'est que le cinéma se donne à tous, mais alors il appartient à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut supporter les discours des gens évidemment, très sérieux, très sûr d'eux, alors qu'ils n'y connaissent absolument rien et on ne leur demande pas d'y connaître quelque ouais. chose. On leur demande d'y avoir réfléchi. Et ils ne veulent surtout pas y réfléchir. Ils sont plus intimidés sur les autres arts que par le cinéma. Bien sûr. Bien sûr.
ils n'oseront jamais critiquer, par exemple, Dostoevsky, Tolstoï, Lermontov. Or, dans le cinéma, il y a toujours quelqu'un qui critique même de ce que pour nous, tu vois, bien on ne voit pas comment il peut être critiqué. Mais ce qui est bien, c'est que ça me choque encore. Tu vois, maintenant, j'ai 53 ans. Quand on me dit la dernière merde de Godard, je dis, mais de quoi vous parlez? Vous ne parleriez pas comme ça de Beethoven? Non. Parce que vous n'oseriez pas. Oui. Tandis que Godard, vous le traitez de merde, vous pouvez oser. Bon, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux quand même que le cinéma ait cette générosité-là et qu'on puisse dire n'importe quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, donc maintenant, merci. Donc, Frédéric sera avec nous à plusieurs projections pendant le festival, donc il faudrait que vous regardiez dans le fest, parce qu'il a eu, si tu veux, l'amabilité de nous prêter des copies. Apporter les dernières restaurations de la Cinémathèque. Et vous pouvez aussi, à partir de, dès qu'on finit cette conversation, demande, dans le sens où je pense que c'est une expérience incroyable, de vous brancher sur le link de la Cinémathèque française où vous pouvez voir Henri Langlois qui parle de ce qu'on a vu ce matin et d'autres choses. Donc, agora vou falar em português. Portanto, depois desta conversa, para aqueles que, infelizmente, não nos perceberam que é uma língua que não é agora tão conhecida como era no passado, o francês, peço para ligarem-se ao site da Cinemateca Francesa, e as indicações estarão aqui no nosso site, de maneira a verem Langlois falar, e isso aí ser traduzido em inglês. Oui, c'est sous-titré en anglais. Il está traduzido em inglês, e que é realmente uma experiência única de uma pessoa extraordinária com uma influência enorme. No cinema moderno. Muito obrigado.